Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour faire enfin un vidéo concernant ma routine capillaire. Donc sans tarder, je vais commencer direct. Donc concernant ma routine capillaire, donc il y a des produits bio, il y a des produits qu'on peut les trouver dans les grandes surfaces et il y a des produits professionnels. Je commencerai avec les produits bio qui sont issus essentiellement des huiles végétales et des huiles essentielles que j'utilise. Donc le premier huile végétale, donc c'est l'huile de sésame, que tout le monde connaît l'action nourrissante de l'huile de sésame, avec l'huile d'argan. C'est vraiment l'huile d'argan, c'est très très bien pour les cheveux qui se cassent en bas, les cheveux qui ont beaucoup de forche. L'huile de ricin, c'est vraiment, il accélère la pousse du cheveu. Et je mélange les trois huiles végétales avec trois huiles essentielles. Donc le premier huile essentiel, c'est Yalien, le cidre de l'Atlas et le romarin arcignol. Pourquoi exactement ces trois huiles essentielles? Tout simplement, c'est pour donner la brillance, c'est pour, ils ont une action anti-chute, comme malheureusement, moi je souffre de la chute du cheveu. Ça fait vraiment des années de... En fait, c'est depuis que j'étais petite et chaque fois je cherche des produits tout le temps. Mais j'étais tout le temps de chercher des produits anti-chute et tout ça. Donc, et cette fois, je suis vraiment satisfaite de ces trois petits essentiels. Car vraiment, ils ont diminué. Ils n'ont pas stoppé, mais ils ont vraiment diminué la chute de mes cheveux. Maintenant, je passe aux produits qu'on peut le trouver dans les grandes surfaces. Le premier produit, c'est le shampoing ultra doux de la marque Garnier à huile d'avocat et bord de karité. Donc, c'est un shampoing qui nourrit, qui assouplit pour les cheveux très secs ou frisés. Concernant nourri et assoupli, il nourrit pas. Il assouplit, mais il nourrit pas. Et vraiment, c'est un shampoing qui est bien, qui lave très très bien, mais si vous avez les cheveux rebelles, des cheveux cassants, des cheveux vraiment qui ont besoin d'une vraiment d'un bon produit nourrissant, attendez pas de miracle de ce shampoing, mais ça reste quand même qualité prix correct en fait hein. Avec ce shampoing j'utilise son masque, hop. Elle est là. Donc c'est le masque nutrition intense de la marque, de la même marque. C'est un masque, donc c'est une véritable recette de nutrition intense pour les cheveux très secs ou frisés. Le masque Garnier traduit ceci l'huile d'avocat reconnue pour ses propriétés assouplissantes, au bord de karité réputée pour ses vertus hautement nutritives, dans une crème onctueuse et légère qui fond instantanément dans vos cheveux. C'est un très 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 bon masque. Voilà, tout simplement. Question, mais extrêmement bon. Rapport qualité-prix, mais top, 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 top. Vous pouvez trouver n'importe où. C'est un masque que je rachèterai et je vous le recommande. L'autre produit grande surface, donc c'est l'après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel. C'est une nouvelle formule. Voilà, donc c'est mon... Donc c'est un après-shampoing. Ce qui écrit ici, c'est pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Bah, pour les cheveux secs, oui, mais abîmés et cassants, oui aussi, mais je vois pas en fait l'action de cet après-shampoing en fait. Hein. Ça reste un shampoing qui démille correctement. Mais vous attendez pas vraiment une action nourrissante, une action vraiment qui... vous attendez pas vraiment quelque chose qui va vraiment nourrir vos cheveux. Attendez pas quelque chose qui va régler le problème pour les cheveux qui se cassent en bas, tout ça. Ça, c'est pas avec ce... En fait, c'est pas avec ce produit. Le dernier produit qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, c'est le shampoing guinant de la marque Les Cosmétiques Carrefour. Moi j'ai acheté ça à Carrefour à 1 € et quelques.
C'est un shampoing que je ne le recommande pas, tout simplement. Pourquoi moi j'ai acheté ce shampoing? Tout simplement car j'utilise un bain d'huile. Et pour ne pas gaspiller les produits professionnels que je viens de vous montrer après, donc j'ai acheté un pour ce qui est shampoing. Et puis voilà, j'ai choisi ce shampoing et j'étais vraiment très déçue. Mais bon, vu le prix à Noroi Cake, je me suis dit, c'est pas un très grand problème. Mais bon, si ça peut vous y éviter. si ça peut éviter, vous pouvez y... Mais si ça peut vous éviter un achat, c'est vraiment très bien. Donc, je passe au produit professionnel. Le premier produit professionnel, donc c'est le shampoing de la marque Kérastase Nutritif. Donc, c'est le bain nutrithermique pour les cheveux profondément desséché. Oui, vraiment, il est vraiment très bien pour les cheveux rebelles, pour les cheveux vraiment qui ont besoin d'un bain, d'un bon bain nutrithermique. Voilà, c'est comme son nom. C'est au système thermo intense. C'est un shampoing haute nutrition thermo potentialisé pour les cheveux profondément desséché. Système intense, thermo intense, sous la chaleur. La nutrition est maximale. Les cheveux sont adoucis et brillants, durablement répartis sur les cheveux mouillés avec le chaud, massé, puis rincé, puis blablabla. Donc c'est un shampoing que vraiment je vous le recommande, mais il y a une mais à ne pas utiliser vraiment ce bon. Au début, moi j'ai commencé à utiliser ce bon et j'ai vraiment j'ai eu une sensation que mes cheveux ont commencé à être vraiment lourd. Et quand j'ai commencé à utiliser juste une fois par semaine, c'était vraiment très bien. J'étais satisfaite. Hein. Donc c'est un shampoing. Est-ce que je rachète ou pas ce shampoing? Oui, je rachèterai. Le deuxième produit professionnel, c'est le shampoing de la marque Macadamia Natural Oil. Je pense que maintenant la majorité parmi vous et connaît bien cette marque. C'est un shampoing qui est sans sulfate, sans parabène. Il est très bien pour vous les filles qui ont utilisé ou bien qui cherchent un shampoing, qui ont fait un lissage brésilien et qui cherchent un shampoing pour que le lissage brésilien dure longtemps. Donc je vous recommande ce shampoing. Et là vraiment mais très bien. Donc idéal pour les cheveux secs et abîmés. Shampoing nettoie doucement, tout en hydratant et protège vos chevelures contre les intempéries. Vraiment c'est un shampoing qui nettoie en douceur. Mais ne vous attendez pas non plus du miracle. Moi j'étais quand même un peu... J'étais déçue à 70%. J'étais satisfaite en fait à 70%. Est-ce que je rachèterai ou pas? Je pense pas en fait. Je sais pas pour l'instant. Je suis satisfaite, je suis pas satisfaite. Ça c'est un shampoing qui est pas agressif, qui est vraiment... qui lave les cheveux mais en douceur. Mais je vois pas une action en récent en fait. C'est pour cela que je suis un tout petit peu déçue. Le dernier produit professionnel, c'est le masque, le Deep Repair Masque de la même marque, le Macadamia Natural Oil. Voilà, celui-là, c'est un petit bijou. C'est un très bon masque qui coûte cher, oui. Mais je vous le recommande. C'est un masque mi. Vous sentez la différence? Voilà, c'est ça les produits en fait. C'est ça les vrais produits. Si vous cherchez vraiment quelque chose qui me reste vraiment bien vos cheveux, quelque chose que vous sentez vraiment la différence, je vous recommande ça. Je vous recommande ce masque. C'est un très bon masque. Mais j'ai déjà utilisé des produits professionnels, en fait, de plusieurs marques. Mais vraiment, ce masque-là, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Depuis que ça fait 6 mois là que j'utilise, et regardez, c'est un petit peu moins de la moitié et ils sont extrêmement bons. C'est un bon masque que je vous le recommande à 100 000 fois. Foncez les filles, mais certes que le prix ça freine, mais c'est un très bon investissement, croyez-moi. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. N'hésitez pas surtout à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de mon produit, à partager avec moi si vous avez des bons produits.
ça me fait vraiment très très plaisir. Moi je suis vraiment très très contente de partager ça avec vous. Si ça peut éviter un achat, ça ce sera bien. Si ça peut vous confirmer un coup de cœur ou bien donc ou bien un achat, ça sera super. Bah, je vous dis à très bientôt et puis à la prochaine. Ciao, ciao.